Ma copine met un fantôme sur la photo pour voir si je veux avoir peur. Bébé, t'aimes bien cette photo ou pas? Pour Insta. Ouais, t'es grave belle en rose. T'es sûr? Vas-y, mais regarde bien, zoom et tout dessus. Ouais, s'il y a des défauts, y a pas de défauts. Mamacita. Par contre, la chaussette est bien. Y a pas de défauts, tu vois pas de défauts, je peux la mettre. Ah Leicester, la vie de ma mère, y'a quelque chose sur la photo. Là. Là. Là ici. Qu'est-ce que tu fais? Quand je te dis que j'entends des voix la nuit, des trucs qui bougent, des bruits comme ça par terre. Mais t'as pété les pieds, gros, y'a rien du tout. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais elle est normale, ma photo. Sur ma vie, y'a des esprits ici. Mais n'importe quoi. Prends-moi mon téléphone. T'as quoi à te reprocher? Mais pourquoi tu veux ton téléphone à ce point? Vas-y, tiens, regarde, vas-y, regarde. Déverrouillé. Alors, les gens, on va aller regarder sur Instagram parce que c'est là où les filles vont le plus. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'excites? T'as peur de quoi? Attendez, elle parle trop, elle fait trop mal au crâne. Mais moi, je dis, si elle a peur, c'est quelque chose à te reprocher. Rachid. Non, ça va, je le connais. C'est qui Abdel? C'est qui Abdel? Regardez, elle sauve. Ma vie, t'es prête? C'est pas grave, le sac, je le récupère avec tout le maquillage. Non, non, je me sens pas bien. Mais non! Je t'aimais beaucoup. Non, attends. Je veux pas, Mais allez, vas-y. Ah, attends, c'est pas. Non, mais vite, vas-y, vite, les gens, ils attendent là. Non, si, go. Relax. Vas-y. Go relax. Relax, ouais. Ready? Yes. Ready. Hey, go. Anya, go. Ready. Oh là là. Vas-y, Anya. Attends, tu tapes la route là. Là, elle abuse la honte du jour là-haut. Il y a tout le monde qui attend là. Regardez là-bas. Go! Relax! Il est 1h du matin et là on va récupérer le cadeau à Zizou qu'on a commandé. Mais oui! Rien n'est impossible à Dubaï. À 1h du matin, il aura son cadeau. Thank you! Bye! C'est parti, on lui offre. Oui, allez, go. Oh, ma vie, il est 1h du matin. Bah oui, c'est l'heure de dormir. Mais pas du tout, c'est l'heure de t'offrir un cadeau. Bah oui, c'est l'heure d'offrir un cadeau. Mais les magasins, ils sont fermés. Bah non. Olivia, comment? C'est pour toi le cadeau. Vous êtes pas drôle, y'a rien dedans. Ah ouais, y'a rien dedans, dedans. T'es sûr de toi? Maintenant, ouais. S'il y a quelque chose dedans, on te l'offre plus. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ok. Bah, non. Vas-y, ouvre. C'est la part de ta maman et moi. Vous avez trouvé ça à 1h du matin? Je te jure, on l'a trouvé. Tout est possible. Tout est possible, c'est grâce à Olivia. Waouh. T'es content, hein? Non, mais... Attends, mais montre, un, dépuisant, un. Et le derrière? Waouh. T'aimes bien? Merci, maman. Et moi? Merci, maman. Non, il y a Anya qui a participé. Ouais, merci. C'est gentil. Je rigole. Ah, mais je suis choquée. Je crois que ma mère, on fait genre qu'on la cambriole. Bye. Quoi? C'est qui? Comment ça c'est qui? Je t'envoie des messages.
C'est qui t'envoie des messages? Mais je peux pas te dire. Fois, deux fois, trois fois, quatre messages, wesh, la fin quoi, c'est qui ça? Vas-y, ça me vénère, c'est qui? Quoi? Pourquoi tu rigoles au message, là, contre moi? C'est quoi, il y a quoi de drôle en fait? Mais je peux pas te dire. Mais comment ça, tu peux pas me dire? Comment ça, tu. Mais c'est une blague? C'est une meuf? Tu me trompes? Comment ça, wow? T'es sérieux, tu me trompes là? Prends Kanye avec ce parfum odeur P. Elle va péter un câble, mon corps. Ça va, et toi, mon corps? T'es belle pour le resto. C'est vrai, merci. Mouah. Ça pue. Comment ça, ça pue? Il y a un truc qui pue. Non. Sur ma vie, il y a un truc qui pue le caca. C'est elle ou c'est toi, je sais pas, ça pue le caca, t'as pété. Non, j'ai pas pété. Sur ma vie, t'as pété. Mais non, j'ai pas pété. Arrête, tu rigoles, t'as pété, je te connais. Non. Mais pourquoi ça pue alors? Ben, je sais pas, c'est toi t'as pété. C'est toi tu pues. Ah, je vais oublier, ça pue. Tu sens ta propre odeur, mon cœur. Pardon? Tu sens ta propre odeur? Pas du tout, non, ça pue. Je te jure, ça pue la chien. Tu pues du cul. C'est toi, tu pues du cul, t'as pas tendu l'odeur de la voiture ou pas? Mort de rire, ça pue la merde. Je peux pas. Bon, bah vas-y, on va pas au resto. Est-ce que tu peux être prête en 10 minutes? Non. Si t'es prête en 10 minutes, t'as une bête de surprise. Ah ouais? Ouais. Vas-y, ok, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, je suis dans la salle de bain, je vais me maquiller. Mais t'as pris ta douche en 1 minute 30, il te reste seulement 8 secondes, même pas. Oui, je me dépêche le maquillage là, me décroche pas. Laisse-moi 2-5 minutes, t'étais même pas prête. Je me dépêche. Mais il reste même pas 2 minutes 30, ta tenue, dépêche-toi. 8 minutes bébé. T'as zéro chaussette? Ben non. Pourquoi? Les chaussures. Elles sont où? Bah vite, derrière toi. Dépêche-toi les. C'est bon, t'es prête. Défi réussi. La surprise, c'est que tu gilles avec moi. C'est parti, on va faire du jet. Est-ce que je la fais tomber dans la mer? On verra. Donc là, regardez, ils sont là, les jets. Et on peut aller partout dans la mer, regardez comment c'est grand. C'est parti, c'est trop ouais. Bébé, tu ne fais pas tomber, c'est mort. Non. Genre, est-ce qu'on bombarde? Non. Et c'est parti. Est-ce que je le fais tomber? C'est bon, ça pose. Ouais, t'es trop beau. Allez, ouais. Dégage. Allez, aujourd'hui, ma mère va vous raconter mes pires conneries que j'ai faites dans ma vie. Attention. Vas-y, on t'écoute. Non, j'ose pas le dire. Vas-y, dis. Tu veux que je le dise? Alors, à 4 ans, il a fait caca par terre. Il a enlevé son pantalon. Il a pris son caca avec la main et nous l'a jeté dessus. Ah, mais t'es dégueulasse. Quelle horreur, la honte. Ah, tu voulais que je parle? Quand il était petit, il courait partout. Il se cachait sous les jupes des filles. Mais t'es sérieux, toi? Je m'en rappelle plus. Déjà petit. Attention à ce que tu dis. Je m'en fous. Quand t'étais petit, tu t'es cassé une dent. Ouais. T'as pas voulu le dire. D'un bout, tu l'as collé avec de la colle. Et bam, en parlant, boum, par terre. J'avais peur de me faire punir. La honte, franchement la honte. Bon les gens, c'est officiel. Ma mère part. Bye bye au con. Bye bye Dubaï. Le dernier jour à ma mère, elle doit rentrer à Paris parce qu'elle travaille demain matin. Et nous, on va rester tous les deux avec Anya. Voilà. Ça va, c'était bonnes vacances? Super. T'as bien bronzé? Ça va, ouais. T'as bien mangé? Oui, t'as grossi. Non, j'ai pas grossi, ça va pas ou quoi? Je rigole. Ma gueule ou quoi, là? Quand même, est-ce qu'on va te manquer? Non. T'es heureuse? Oui. Agnès, est-ce qu'elle va te manquer, ma mère? Oui, trop, Olivia, non. Oh, la paix, vous faire des choses. Hé, j'ai entendu. Ah! T'as pas honte ou quoi? Cochonne. Ah! Alors... Tu pleures? Oh non, il pleure, Olivia! Y'a pas de cinéma là! Oh. Bye bye! Bonjour, maman. Et moi, je sens le caca? Bah, tu vas pas dire quoi? Tu dis même pas au revoir, Anya. Mais sérieux? Ouais, allez, bisous. Ciao! À jamais, just a moment. Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Ma mère, elle est partie, j'ai envie de rentrer. Mais on rentre aussi bientôt, hein? Il reste encore 4 jours. Viens, on rentre demain. Quoi? Tu pleures vraiment? Oh non! Oh! Albé est top top, Haïti Baba. Va au top top, quand t'es pas là là. La porte je toc toc, t'inquiète pas. J'suis venu pour toi, préviens ton papa. Allo, allo, téléphone et sonna. Est-ce que tu connais les femmes? Bah oui, je connais les femmes quand même. Bah tu sais quoi sur les femmes? Ok, alors de 1, une femme elle a toujours une meilleure amie sur qui elle peut baver sur toute la terre. Grave la base. Ça, c'est vrai. De deux, une meuf, elle peut t'envoyer des messages, etc. Au bout de une minute, la meuf, elle est en train de taper son meilleur sommeil en mode comme un cochon. N'importe quoi. De trois,
une femme, si elle dit oui, t'inquiète, fais ce que tu veux, ne le fais surtout pas. Grave. Elle va te faire un guet-apens. Ouais. T'es dans la merde encore plus que t'as jamais été dans la merde de ta vie. On a été à 4. De 4, l'été et l'hiver. Ouais. Les femmes sont deux choses différentes. Pourquoi? L'été, leurs jambes brillent, c'est beau, y a pas de poils tout lisse. L'hiver, la vie de ma mère, un Yeti. Non, vas-y. Pire que la tâche à ma grand-mère. On était à 5. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les femmes? Bah, franchement, on est parfaites, non? Elles sont pas chiantes. Non, pas du tout. On râle pas. Jamais. Les femmes ne râlent jamais. Bah, quoi, c'est vrai, je râle pas, moi. Toi, jamais? Je la teste pour voir sa réaction. Bébé, dis-moi, il te reste un petit peu de monnaie, j'ai oublié mon portefeuille à la maison, faut que je mette de l'essence, sinon on va tomber en panne. Il faut combien? Bah, je sais pas, 50 euros. 50 euros? Bah oui, pourquoi? C'est une blague, mais c'est grave cher. Bah, bébé, t'es en France, c'est ça le prix de l'essence? Il me reste plus de sous. Ah, si, t'as plus de sous? Un billet de 10. J'ai un McDo, j'avais faim. Ah, tu voulais un McDo, t'as faim? Ouais. Mais bon, c'est pas grave, je te mets de l'essence, c'est pas grave, je mange pas. Mais bon, je sais pas si on va aller bien avec 10 euros quoi. Ouais, mais bon, c'est déjà ça. C'est le geste au moins. Ouais, voilà. Tu penses à qu'on rentre sur le ton McDo. Ouais, voilà. Maman, est-ce que t'es au courant qu'à Dubaï, on pouvait faire de la voiture dans l'eau? Ouais, c'est ça, putain de ma gueule. Con toi. Non, je te jure, c'est vrai. C'est vrai, hein. Et arrête de te foutre de ma gueule avec tes conneries là, la con. Je veux dire, c'est vrai. On va faire de la voiture dans l'eau. Allez, t'es prête, les filles? Oui. Non. Quoi? Je suis en panique avec toi, c'est toi qui conduis là. Non, je peux pas. Laissez-moi sortir. Maman, t'es en hauteur, tu vas t'envoler là. Si c'est normal, tu vas voir ce qu'il fait. Bon, allez, je démarre. En fait, c'est... J'accélère? Non. Maman? Non. Anya? Non. Oh! Bon, les gens, on est bloqués en plein milieu de la mer. Regardez, c'est pas un prank, c'est pas une blague. Là, il y a le mec du jet ski qui essaie de trouver une solution. Faut rentrer par la nage, ça veut dire. Hein. On va rentrer. Faut rentrer par la nage. Il y a un gros problème là, il a dit qu'il y a un gros problème. Ça veut pas démarrer. Je me sens pas bien. Tu vas casser plus la voiture là. J'ai mal de mer. Oh là là. Les gens, on est bloqués en plein milieu de la mer. Je vous tiens au courant dans la partie 2. On est à Dubaï, on est en train de faire du ski. Regardez, il y a des télésièges et tout, comme dans le vrai ski. C'est on pas a... un télésiège, c'est un télépéage. Mais vas-y, toi, va dormir. C'est là où ça monte tes fesses. Oui, c'est un tire-fesses, c'est pas ça, c'est un télésiège. Vraiment personne, et moi, je vais faire cette descente-là. Regardez comment elle est immense. La descente des nazes. C'est la piste verte, c'est moi, ça en haut. Et là-bas, il y a une piste rouge, mais jamais de la vie, je fais ça, en fait. Et Olivia, elle sait pas skier, du coup, on va voir ce que ça donne sur la piste. J'ai déjà skié, mais j'avais 13 ans. Voilà. Place de neige, place de... Regardez. Non, et j'ai eu ma troisième étoile. Wow. Bon, du coup, Zizou, il continue sur son télésiège tout en haut et nous, on s'est arrêté ici. Regardez, Zizou, il est tout en haut. Allez, c'est parti. Maintenant, avec Olivia, on va descendre la piste verte. Vous êtes prêtes, les nazes? Anya, je crois que t'as oublié ma mère, hein. Maman, tu fonces dans le mur. Concentre-toi. Maman, arrête de faire la meuf, tu vas tomber. Ah, j'ai déjà descendu une moitié. Ma mère reste tout mais, ça. Là, tu crois qu'elle a fait un truc de ouf ou quoi? T'as fait un truc vert pour les bébés? Ma vie, j'en peux plus, c'est trop dur. Zizou, il est descendu tout là-bas, maintenant c'est à nous de le rejoindre. T'es prête, Olivia? Ouais. Regardez, Olivia, elle commence. Moi, je la suis. Wouh, allez, c'est parti. Regardez comme on est vraiment des pros. J'ai très très peur. Bon, les gens, cette fois c'est plus qu'officiel. Bye bye Dubaï. Bébé, est-ce que tu veux qu'on prolonge? Oui. Eh ben, on prolongera pas. Les gens, gros problème. Ça rentre pas. Il reste tout ça. Bon, les gens, on vient d'arriver à l'aéroport. Sauf que vu qu'on a changé nos billets à la dernière minute, du coup, ma vie, on voyage plus en business, mais en premium économie. Du coup, on est chargé à mort et on va essayer de gratter un surclassement en business, mais je crois que c'est mort. J'ai intérêt à quoi? T'as intérêt à avoir la business, sinon je te parle plus. Mais je m'en fous que tu me parles plus. Lichetonneuse, ouais. Les gens, gros problème, il reste une seule business, qui la prend? Moi. Moi. Non, moi. Bah alors personne. On reste... Non, on reste en premium tous les deux. Cherchez l'erreur, tu mets une doudoune alors qu'il fait 30 degrés. Tu te prépares à rentrer à... Mentalement. In France. Les gens, je sais pas pourquoi, je sens que cette nuit, l'avion il va... On va clamser ma vie. Je te jure, j'ai un pressentiment, je sais pas pourquoi. L'avion, on a fait un exploit. On n'est pas en retard pour l'avion. Deuxième fois. Choqué.
Bon les gens, c'est bon, on est dans l'avion, je vous explique. Là-bas, c'est l'économie. Nous, on est en première économie et Anya est blunt parce qu'on n'est pas en business. Là-bas, c'est la business. C'est grave line parce que ce matin, on a appelé la meuf d'Air France. Elle nous a dit oui, attendez ce soir pour faire le surclassement. Donc nous, on attend le soir d'arriver à l'aéroport. Et au final, maintenant, c'est la première économie. J'ai trop la haine. Jamais je prends Air France, c'est de la merde. Bon les gens, je vous explique, là-bas, il y a quelqu'un. On va le prendre, on va lui faire genre qu'on est possédé. On va lui faire trop trop peur, les gens, bougez pas. Shumbawa. Attends. Oh, on a tué le papy. Oh, il a fait un malaise le papy. Oh là là. Les gens, one life, je repars en vacances. Non maman, je n'ai pas oublié mes caleçons et j'ai bien regardé sous le lit. Est-ce que vous voulez savoir des indices sur ma nouvelle destination? Je vous donne des indices. Je vais dans un pays où actuellement il fait très froid. La première lettre du pays commence par un F. Bon, vu que j'en suis sûr que personne va trouver le pays, je vous donne la première lettre de la ville. Ça commence par un P. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je pars en vacances, j'ai l'impression que j'oublie toujours des vêtements et que ma valise elle est vide. Pas vous. Je sais les gens, vous allez me dire, mais Zizou, t'étais déjà en vacances. Excusez-moi les gens de vouloir partir en vacances. Je vous donne encore un indice. J'en ai pour 7h30 de vol. Et pour une fois les gens, je ne suis pas en retard. J'ai mon vol demain soir. Pour une fois, je peux dormir tranquille. Oh. Je sais pas vous les gens, mais à chaque fois que je rentre de vacances, je suis trop content de rentrer chez moi, pas vous. Enfin là pour le coup, je... Bon, les gens, j'en suis sûr que personne ne va trouver la destination où je vais. Si vous trouvez, dites-le moi dans les commentaires. Je suis trop contente, je suis allée à Kiko à Dubaï et j'ai enfin trouvé mon combo lèvres parfait. En France, j'arrivais jamais à trouver un rouge à lèvres qui me convenait. Et voilà, ouh, c'est fait. Alors normalement, il n'y aura pas de problème parce que les produits Kiko, c'est international. Ça veut dire que les références que je vais vous dire, ce seront les mêmes en France et à Dubaï, enfin partout dans le monde. C'est avec un crayon marronné, donc de la teinte 31. Contente, ce combo est pépite, vous allez voir de vous-même. Alors, regardez déjà juste la différence en haut et en bas. Voilà, juste avec le crayon déjà, comment c'est incroyable. Deuxième gloss, c'est le numéro 3. C'est celui-ci, tout le monde le connaît. Regardez juste comment ça fait trop beau. Et le troisième, c'est le brillant à lèvres de la teinte 21. Waouh, waouh, waouh. C'est mon combo lèvres, j'aime trop. Oh, dites-moi si vous aimez, en tout cas, moi c'est le meilleur combo lèvres que j'ai eu de toute ma vie. Et ils sont trop mignons, ils m'ont offert une poudre Kiko avec Disney. Elle se présente comme ceci. Coucou. On va voir si elle est bien. Ouais, ça va. Enfin bref, voilà. Bisous. Par contre, j'en ai eu pour 37€ pour les 3 rouges à lèvres. Donc moi, c'est cher par rapport à la France. Quoi, Zizou, on veut voir ta sacoche. Vas-y, monte ta sacoche. Ok. Alors, tout d'abord, un paquet de cigarettes. Je vous déconseille de fumer. Ça nique la santé. Des sacs poubelles pour ramasser la mère d'Ania. De Nala, pardon. Une carte bleue. Des chewing-gums. Ah, c'est les miens, ça? Bah oui, bah j'en avais plus. Un caleçon. Au cas où tu te pisses dessus. Non, c'est si un rechange. Ça... Eh, mais c'est pas moi ce rouge à lèvres rouge là, ça. Non, c'est à ma mère. Je mets pas de rouge à lèvres. Non, c'est à ma mère. Un rasoir pour raser les boules. Un portefeuille. Ouais. Un parfum Chanel, le bleu il sent trop bon. Un briquet. Un permis de conduire. Et ça, c'est. Ça à qui ça? Pourquoi t'as une capote dans ton sac? Mais t'es sérieux? Mais c'est pas à moi. Mais pourquoi t'as une capote dans ton sac? Par prévention, c'est quoi ça? C'est une blague? Mais pose pas de questions! Il est fou lui! Je reste en position bisou pour voir sa réaction. Bisous l'amour! A tout à l'heure! Ici, hein. A tout à l'heure! Encore un bisou? Vas-y bébé! T'es chiant, je vais être en retard avec mes copines, j'y vais! Mais. A tout à l'heure mon cœur! Tu veux rester avec toi? C'est ça que tu veux ou tu veux rester avec toi? Tu veux rester avec toi? C'est bon, merci. Les gens, vous êtes au courant que Zizou, il fume une cartouche par semaine? C'est parti, on va lui faire prendre conscience à la manière. Bébé, j'arrive, j'ai une surprise pour toi à toutes. Du coup, je mets toutes les voitures dans la voiture. Ah non, mais toutes les cigarettes dans la voiture. Non, mais du côté conducteur. Wouh! Rajoute sur le tableau de bord? Bah, bien sûr, pourquoi pas. Wouh! C'est la neige des cigarettes! On a pas assez, faut en rajouter un peu partout. Vous allez oublier un petit coup dans le coffre? Wouh!
couverture cigarette dans le prochain TikTok. Bonsoir, je vais vous prendre un menu filet au fish s'il vous plaît. Oui, un maxi normal. Normal, frites coca. Oui. Avec ceci. Et pour mon mari s'il vous plaît, un menu triple cheese. En maxi normal. En normal. Normal, frites coca aussi? Non, potatoes et iced tea. D'accord, ce sera tout? Oui. Ça fera 15 euros, je vous laisse avancer pour un peu. Merci. Oh my god, aujourd'hui je vais manger dans les airs à plus de 50 mètres. Pour les personnes comme moi qui ont le vertige, franchement c'est une grosse grosse épreuve et ça s'appelle Dinner in the Sky. Donc en gros c'est des arbres qui vont s'élever à l'aide de ces tours, mais regardez, on avait un magnifique coucher de soleil, sérieux. Mais bon, j'étais quand même en stress parce que à tout moment je tombe dans le vide et j'ai pas trop envie de mourir, je vous avoue. Allez, c'est parti, du coup, comme ça peut être dangereux, bah, obligation d'attacher ses ceintures. Regardez, sérieux, on dirait que je vais m'envoler. Ça fait trop peur. À peine installé, on passe déjà à l'entrée, donc on n'était pas encore dans les airs. C'est une bonne burrata, ça a l'air super bon. Et là, je prends une dernière vidéo pour mes derniers instants sur Terre. On ne sait jamais si je reviens plus. Allez, et là, c'est parti. 3, 2, 1, let's go, on s'envole. Franchement, ça fait super peur pour quelqu'un qui a le vertige de manger les pieds dans l'air. Oh! C'est horrible. Mais bon, je vous avoue, c'est quand même une expérience à faire au moins une fois dans sa vie parce que franchement, c'est incroyable. Regardez, là, on est en train de décoller du sol petit à petit. Et donc, je vous ai pas menti, vous avez bien vu qu'il y a marqué 50 mètres. Ça y est, donc là, on est à 50 mètres de hauteur. Je vous jure que dans la vidéo, on dirait pas que c'est haut, mais je vous jure, c'est super haut. Donc là, je peux déguster dans les airs avec la vue sur tout Dubaï. Et en attendant, les petits cuisiniers, ils préparent nos plats. Parce que ce qui est bien, c'est qu'en gros, genre nos plats, ils sont préparés devant nous à l'instant présent. Regardez là, j'ai filmé la table à côté, donc voilà comme on était en plein dans les airs, dans le vide. Franchement, quand on les voit comme ça, ça fait super peur, mais la vue était vraiment incroyable. On est ensuite passé au plat, donc moi c'était du saumon avec des lentilles. Et là, regardez, ils préparaient déjà le dessert. En plus, c'était trop stylé, regardez, il y avait un anniversaire, mais tellement il y avait du vent, et les confettis sont partis partout, sauf sur les personnes. Voilà le dessert, c'est un moelleux au chocolat avec une boule de glace. Franchement, c'était bon. Et ça y est, c'est déjà terminé. Je vous avoue que c'est passé super vite en vrai de vrai. Bon, c'était bien, mais je vous avoue, je suis quand même contente de retourner sur la terre ferme. Et ça y est, il me décroche. Alléluia, je touche le sol. C'est bon, je suis vivant. On va voir quel TikToker français ne nous aime pas. Okay. Bah marche, ta mère. On va voir quel TikToker français ne nous aime pas. Ah, elle me dit quelque chose, c'est celle qui fait les tatouages. Je sais plus son nom, mais c'est dommage parce que j'avais rien contre toi. On va voir quel TikToker français aime pas Anya. Qui m'aime pas? C'est qui? Ah, c'est Warren. Bah alors, Warren, c'est blague. On va voir quel est mon crush en TikToker. Fais attention, je te dis. Elodie Costa? Tu me trompes pas avec elle? Mais au moins, souris à la vie. Et moi, je souris pas à la vie. On va voir quel est le crush d'Anya. Pourquoi tu rapproches ta tête comme une girafe, là? Je vais voir. Oh, en plus, elle est lesbienne. Enfin, elle est bi, elle. C'est la chanteuse. Mais pas mon cœur. Je sais pas, après, tu fais ce que tu veux. Quel TikToker aimerait nous voir en prison? T'es là. Encore toi? Mais elle a un problème avec nous, c'est pas possible, hein. C'est une vidéo. C'est parti, on fait la piscine, Anala. On va te faire la piscine. Ouais, elle est où? Mon cœur. Quoi? C'est toi qui gonfle. Pourquoi? C'est toi l'homme, en fait. Elle va jamais rentrer dedans, mais bon, on essaye. Allez, mon cœur, tu peux le faire. Je suis trop monsieur R. Ouais. Parti en vélo. Comment elle veut trop aller dedans? Chouchou. Mais c'est pas fait pour boire. C'est pour se baigner. Ça fait pas peur. Oui. Mais Nana, c'est pas fait pour boire, regarde. Ouais. Elle aime bien. Regardez, c'est mon bébé chien mouillé. Eh bien. Bonjour. Je vais commencer par un apéritif, une bière. Deux coca, s'il vous plaît. Deux coca. Une au plat, tu nous fais chien? Non, merci. Ok, il y aura des entrées, chèvre chaud, carpaccio. Je vais vous prendre pour ma femme une salade. C'est crétois. C'est quoi ça? Ok, voilà. Et pour moi, je vais prendre un burger chicken BBQ. Barbecue. Avec deux proportions de, proportions de frites. Mmh. Voilà, deux proportions de frites, s'il vous plaît. Sauce au poivre et sauce roquefort, s'il vous plaît. Madame, vous n'aurez pas de plat, vous aurez que l'entrée? Ouais, la salade. Non, ma femme, elle est au régime. Je suis en date au resto avec Anya et écoutez ce qu'elle vient de me dire. Mais, du coup, tu manges quoi? C'est tout? Oui, j'ai pas faim. T'es sûr de toi? T'as pas très faim?
regardez comment mon plat va devenir vite son plat. Bon appétit. Ah ouais? Mais je croyais que t'avais juste faim d'une salade. Mais tu goûtes avant même que moi-même je goûte? Mais c'est une blague, Anya. À part ça, il est bon mon burger. Je peux goûter sinon. Moi, il me reste les frites. Non, j'en veux aussi. De la voiture dans l'eau, je suis choquée. Regardez, oh, c'est comme une vraie voiture. Le volant, le compteur et tout. Regardez, il y a même des rétroviseurs. Oh, et là, oh, il sait pas faire, il sait pas faire. Ado, Olivia, elle est en hauteur, elle est derrière. On est devant, on est bien installé. Eux, ils ont les jets et nous, on a notre car. Par contre, il manque des ceintures de sécurité. Là, on va s'envoler. Non, mais bébé, tu crois vraiment que tu conduis une voiture ou quoi là? Bah non. Regardons ma vue sur le Burj Khalifa. Ça fait que caler, regardez. Comme une vraie voiture. Oulala, là là, j'ai peur. On va bientôt accélérer, j'ai peur. Oulala. Là là. On va accélérer. Regardez, on l'a calé. On l'a calé. Oh my god, on l'a calé. Not start. Problème. Bon, ça fait 5 minutes que la voiture ne va pas se rallumer. Je suis en train de serrer. J'ai le mal de mer, je me sens pas bien, je vais vomir. Mais c'est une blague, il en profite pour qu'on passe des photos en plein milieu de la mer. On est en train de nous traquer, on rentre. Mais c'est une plaisanterie. On a fait une seconde de jet car et c'est déjà fini. J'ai trop le temps de aller. Bon bah voilà, ils remettent la voiture au parking et nous bah on retourne chez nous. Voilà. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle entre toutes? Tu es la plus belle. Je dois aller faire un test antigénique parce que je crois que j'ai le corona, je suis malade d'abord. Après il y a deux solutions, soit j'ai le corona ou soit, ce qui est fort probable, je pense, mais je préfère vérifier, que j'ai un rhume à cause de la clip de l'hôtel. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Je suis positif, j'ai pas le corona. En fait je suis juste malade à cause de la clip, je ne savais même pas qu'on pouvait tomber malade avec une clip d'hôtel. 4 et 8 et aujourd'hui je dois me préparer, on est hyper en retard, je dois faire mes cheveux, me maquiller, m'habiller. Hey, dépêche-toi là, mon avion. Moi je compte rentrer. Bon, je t'explique déjà, j'ai commencé à lisser cette partie de cheveux, je dois faire toute ma tête avec ça. Plus, j'ai trop chaud, il me reste une mèche, ça fait déjà 30 minutes que je fais ça et après on passe au maquillage. Tu vas raconter ta vie. Tu veux quoi? C'est bon, j'ai fini mes cheveux. On passe au maquillage. Oh, en fait, j'ai pas fini les cheveux, comme ici on est à Dubaï, il fait 35 degrés, du coup, j'ai passé les plaques par dessus. J'avoue que là je suis un petit peu en retard, du coup, je me dépêche et je vais d'abord m'occuper de ma tête de rat. C'est mieux les cheveux, on s'en fout. Olivia, ton avion est dans combien de temps? Bah là, on va partir tout de suite, mais je suis prête là. Mais je suis pas prête? Non, t'abuses, Anya.
Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais quand je suis en retard, je foire tout le temps mon maquillage, ça m'énerve. Je passe à mes sourcils, c'est vraiment la catastrophe, c'est le truc qui m'angoisse le plus. Regardez, ils sont jamais pareils. Moi, si vos sourcils, vous, ils sont pareils, mais moi, j'arrive jamais à les faire pareils. Bon, vu qu'on est en retard, on est multifonction ici, on fait le maquillage et en même temps les cheveux. Les lèvres, les filles, très important. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre du mascara, je sais pas si j'ai le temps, je vais mettre des fossiles mais j'ai pas le temps non plus. Hop. J'aime trop les filles, en ce moment je mets du crayon blanc ici. Regardez comment ça va trop changer. Regardez la différence, j'aime trop.